Merci beaucoup Gaël, merci à tous d'être venus. Merci Caroline, merci Pompi d'avoir accepté notre invitation, on est très heureux. Vous l'avez compris, le sujet de ce soir, ce sont les frontières. On a appelé ça frontières. Pardon ? Ok, frontières, ça va là ? Voilà. Frontières, cyberguerre, avec une petite nuance, la cyberguerre, c'est pas forcément les drones. On a fait ce mélange exprès aussi parce qu'on a considéré que chez les drones, il y avait quelque chose qui relevait justement de la cyberguerre dans le sens où ça floute complètement les frontières, comme peuvent le faire par exemple les virus, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont, on ne sait même pas qui attaque qui et quand gagne celui qui gagne. Donc c'est assez flou. Pour commencer, moi j'avais envie de partir de cette phrase avec laquelle tu commences ton livre, Pampi. D'écrire le monde alors qu'il change si rapidement relève de l'aventure, nous dit Gassam Salamé. C'est vrai que ça va très vite, alors dans l'intelligence artificielle, dont on va éventuellement parler ce soir, aussi dans l'armement. Entre le moment où on a pensé faire ce débat et aujourd'hui, moi j'ai vu que les Américains allaient mettre au rebut certains de leurs drones, les Predator. Il y a eu en effet cette déclaration de la ministre des Armées concernant le fait qu'elle allait armer les drones français, qui sont des drones Reaper de fabrication américaine. Et j'allais commencer très ouvertement avec vous, avant de déconstruire le sujet un petit peu plus précisément, avec cette question. Ces drones Reaper, ils sont fabriqués donc, du coup, par des Américains, ils sont utilisés au Sahel par l'armée française. Est-ce que le fait de les armer, ça change vraiment quelque chose? Ou est-ce que c'est un changement de stratégie de la part de l'armée, Caroline? Alors tout d'abord, c'est un premier constat, c'est qu'on a pris beaucoup de retard dans l'armée. Donc il était temps. Et cette annonce remonte au mois de septembre. La ministre des Armées a dit la chose suivante. On avait déjà des drones d'observation, de reconnaissance, essentiellement pour faire la surveillance, de la cartographie. Et les drones Reaper, quand on les avait achetés aux Américains, n'étaient pas armés, effectivement. Aujourd'hui, on décide de les armer. En soi, donc, c'est décidé dans un aéronef sans pilote, de pouvoir attaquer, de pouvoir cibler. Donc c'est une force létale, donc oui, ça va changer les choses. C'est une autre manière de conduire les hostilités et de faire la guerre. Mais en même temps, tout le monde, presque tout le monde, a des drones armés aujourd'hui. Alors justement, Pampi, si tu peux me dire peut-être qu'est-ce que fait la France là-bas, ou qu'est-ce que faisait la France là-bas à cette époque ? Et peut-être pour rebondir sur ta dernière remarque, qui aujourd'hui utilise des drones armés ? Quel pays du monde et pour faire quoi ? Alors, la France dans le Sahel actuellement, elle fait comme les Américains, une sorte de lutte antiterroriste, hein, en fait, à travers l'opération Barkhane, qui vise à éliminer les groupes armés islamistes dans cette région à la suite de l'opération au Mali. La décision d'armer les drones, donc, elle est assez récente, elle date de septembre, et je pense, si je ne me trompe pas, que ça va être effectif en 2019, que les premiers drones armés vont opérer en 2019. Et ce qui est assez drôle, c'est que la décision d'armer les drones de la France, elle relève du même constat que les Américains ont fait en 2000. Parce qu'en 2000, ils avaient eu... c'était à la fin de la mandature Clinton, ils avaient eu Oussama Ben Laden dans le viseur d'un drone Predator, mais à l'époque leur drone n'était pas armé, et donc ils ont fait non, c'est pas possible, on peut pas louper ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le drone à l'époque avait communiqué les coordonnées à un sous-marin qui avait tiré des missiles Tomahawk, mais évidemment entre temps Ben Laden il avait changé de place. Et donc, partant de là, ils ont décidé d'armer leurs drones. Et c'est un peu la même décision qu'on prend aujourd'hui. Mais alors, du coup, c'est parfait parce que tu anticipes sur ma question prochaine, sur l'étape psychologique qui a fait que les Américains, notamment, ont décidé d'armer les leurs. Cela dit, on constate quand même que, en effet, au début des années 2000, sous les mandats Bush, énormément d'utilisation de drones, mais ça explose sous Obama, littéralement. Pourquoi ? Pourquoi ça explose sous Obama ? Alors en fait, il faut savoir que Bush, il a fait un usage assez parcimonieux des drones armés. Alors bon, il y a eu beaucoup de frappes, mais c'était dans le cadre de l'opération en Afghanistan. La première frappe de drones armés au Yémen, c'est en 2002.
Et c'est un citoyen américain notamment, qui est membre d'Al-Qaïda, qui avait été tué. Ensuite, il y a eu une première campagne qui a commencé en 2004 au Pakistan. Et en fait, l'héritage de Bush, c'est un décret qui a autorisé les assassinats ciblés par drone. Et c'est ce décret-là qui a permis à Obama ensuite de, en quelque sorte, de systématiser un peu ce genre d'opération. C'est pour ça que, aussi, que le nombre de frappes a augmenté, parallèlement à la déstabilisation qu'il y a eu à ce moment-là, à la fois au Pakistan et en Afghanistan. D'accord. Peut-être un mot, Caroline, là-dessus ou... Oui, la première chose, c'est qu'effectivement, les États-Unis, Israël, l'Italie, le Royaume-Uni ont des drones armés. La France n'en avait pas juste à présent. Effectivement, Obama, c'est des attaques systématiques, on appelle même ça des attaques de drones. On parle de frappe chirurgicale, on parle de frappe signature, puisque l'objectif, c'est un ciblage extraterritorial. On reviendra sur ces éléments-là, puisque ce sont des attaques menées par la CIA, et non pas par le ministère, par les forces armées américaines. Et puis, ce sont des attaques systématiques au Yémen et au Pakistan, avec une présomption de culpabilité des cibles visées. D'accord, on reviendra sur cette histoire justement de frappe de signature. Pompi voulait ajouter justement... Oui, juste pour quelques données chiffrées, pour être plus concret, puisque j'ai fait quelques recherches quand même avant le débat. Sous Barack Obama, il y a eu 542 frappes de drones, donc une tous les 5 jours. C'est quand même pas mal. Au Pakistan, donc il y a une courbe ascendante entre 2008 et 2010, le pic en 2010, c'est 117 frappes de drones au Pakistan. Puis après, ça redescend progressivement, 64 en 2011, 48 en 2012. Et au Pakistan, c'est le fait seulement de l'armée américaine ou... Non, la CIA aussi. La CIA ? Ouais. Mais c'est difficile de distinguer les deux parce que souvent, la CIA, ils le disent pas. Hein. Donc, après, j'ai essayé de croiser plusieurs sources, mais c'est assez compliqué d'avoir des chiffres plus détaillés. Au Yémen, il y a eu 42 frappes en 2012. 44 en 2016. Et pour poursuivre sur la tendance, il faut savoir que Donald Trump n'a aucunement renoncé aux frappes de drones, bien au contraire, il a accru cette politique de manière assez drastique, puisque durant les 45 premiers jours de son mandat, il y a eu 36 frappes de drones. Et j'ai une liste juste sur le mois de mars 2018 de frappes de drones à la fois au Yémen et en Afghanistan et au Pakistan et en Somalie et en Libye qui est colossal. Bon, je vais pas vous l'énumérer parce que ça serait un peu long, mais voilà. Merci Pompi. Du coup, on parle ici de supériorité technologique. Moi, j'ai le sentiment qu'au fond, on avait des armes qui existaient déjà, qu'on a juste mis des bombes dessus. Des grosses bombes, quand même. Hein. Ce sont des missiles qui font des dégâts. Le terme supériorité m'a un peu gêné aussi dans mes lectures, puisque j'ai aussi la sensation qu'on ne gagne pas forcément la guerre avec des drones, et qu'on entend souvent dans les récits de journalistes, c'est vraiment une question ouverte, que chaque frappe de drone est l'occasion pour Levy de recruter de plus en plus. C'est pas vraiment une question, en effet. Non, mais je vais y répondre. Pour ces drones, il y a quelque chose de très important, je pense qu'il faut dire aussi à ce stade. C'est une arme en soi, c'est un moyen de faire la guerre, mais c'est pas un moyen mal en soi, c'est la méthode de guerre. Donc c'est la manière dont on va l'utiliser. La manière dont le ministère des armées française va utiliser dans la conduite des hostilités ces drones. Alors effectivement, aujourd'hui, quand on réunit les États qui ont fait l'acquisition de drones, c'est plutôt des forces armées régulières, plutôt des puissances. Mais cependant, on constate également qu'il est très facile d'avoir un drone, de l'acheter dans le commerce civil. Vous allez à la FNAC, vous achetez un drone. Et donc c'est aussi simple de l'armée. Donc c'est facile pour l'État islamique d'utiliser les drones. Il faut en avoir conscience
et ils les utilisent également. Donc c'est pas non plus une asymétrie, on parle d'asymétrie dans les conflits armés, entre des puissances qui sont dotées de nouvelles technologies de l'armement et puis d'autres qui ne le sont pas. Non, c'est un petit peu plus complexe. Moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable sur ce coup-là. Et d'ailleurs, je vais me servir de Pampy, j'espère qu'il va être mon allié. Pampy, dans ton livre, tu reprends cet argument. Je pense aussi à un livre qui a été écrit par Grégoire Chamaillou, qui s'appelle Théorie du drone, qui est aussi intéressant. C'est un essai philosophique à charge contre les drones, mais qui vaut le détour. À un moment donné, tu dis quand même que, certes, c'est ce qu'on en fait dans une certaine mesure, mais qu'éventuellement, ça génère des façons de faire la guerre, des manières de guerre, tu reprends cette citation, et que du coup le fait même d'avoir des drones encourage par exemple à agir en dehors des théâtres d'opération, c'est-à-dire de manière illégale, ou même d'être offensif et d'envoyer une bombe là où avant on envoyait un groupe de combat qui n'allait pas forcément tuer des gens. Est-ce que le drone, ça rend violent plus qu'avant ou pas? Pas forcément, c'est encore une fois comme Caroline le disait, ça, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Le problème avec l'usage qu'en ont fait les États-Unis, c'est qu'ils l'ont systématisé dans leur lutte contre-insurrectionnelle ou antiterroriste, et qu'ils ont fait, comme Caroline a dit tout à l'heure, ils ont un peu dérivé des frappes ciblées, des personality strikes, donc contre des cibles vraiment importantes, du réseau Al-Qaïda ou des talibans pakistanais ou des talibans afghans, pour finalement élargir le spectre et faire des signature strikes contre des gens qui ont tout du comportement, de l'apparence, ou qui dans leur contact téléphonique... Alors justement, une signature strike, ouais, une signature strike, c'est une frappe une frappe qui se base sur la signature numérique d'une personne. Numérique et pas seulement. Par exemple, un individu qui s'entraîne, qui fait du sport, qui fait des trucs bizarres à un endroit donné, dans une tenue donnée, et en plus dans son portable, on voit que dans ses communications, il est en lien avec des gens pas très clean, bah, du coup ça devient une cible légitime, alors même que l'individu, on ne sait même pas qui il est. On ignore l'identité de la personne, mais on la cible. Parce qu'il y a un faisceau d'indices qui laisse à penser que, éventuellement, c'est un insurgé ou un terroriste. Du coup, ce faisceau d'indices, c'est à la fois des informations qui sont récoltées sur place par des enquêteurs, éventuellement par le drone lui-même. Ça peut être... Où viennent les données, en fait? Alors, ça peut être des données qui viennent d'agents sur le terrain, mais c'est assez rare. Je pense que c'est plutôt les opérateurs de drones eux-mêmes... qui observent beaucoup, hein. Il faut savoir que les opérateurs de drones voient presque tout. Ils peuvent zoomer, la caméra est à 360 degrés, ils ont la caméra infrarouge, donc ils voient beaucoup de choses. Et donc, ils peuvent considérer parfois qu'une personne est hostile au vu de certains éléments qu'ils peuvent avoir. Un mot là-dessus, Caroline, peut-être ou... Oui, c'est vrai qu'on peut parfaitement décrire, hein. Il faut s'imaginer l'opérateur de drone, donc celui qui va conduire les hostilités. Il est basé dans une base au Nevada, et puis il va envoyer donc des attaques ciblées au Yémen et au Pakistan. Donc l'opérateur de drone, il a un comportement à la base qui est assez passif, hein. Il est devant un écran. Il a toute la chaîne de commandement, parce que bien sûr c'est pas lui, hein, qui va décider de tirer, d'actionner, d'appuyer sur le bouton pour lancer l'attaque. Il y a des officiers juristes qui vont définir est-ce que l'attaque elle va respecter à ce moment-là le droit international humanitaire, est-ce que c'est la bonne cible, et on a bien sûr des soucis d'identification si c'est un combattant ou un non-combattant, donc là ça se complique un peu plus. Ou un civil suspecté de participer au combat. Enfin, ouais. Il y a une notion comme ça. Ouais. Civil participant activement aux hostilités. On y reviendra tout à l'heure. Donc, cet opérateur de drone, il n'a pas la perception de ce qui se passe sur le terrain. Il n'est pas face à un autre combattant. Il n'a pas la perception que peuvent avoir ses collègues aussi. Donc il y a toute une phase de renseignement, hein. C'est pendant plusieurs jours, plusieurs mois qu'on va décider de mener cette attaque.
Et du coup, ça tombe bien, parce que tu parlais de droit international, tu disais à un moment donné, on est une personne qui va valider justement cette frappe au regard des règles en vigueur. Quelles sont ces règles justement qui vont faire qu'on va tirer ou pas? Oui. Alors, ce qu'on appelle le droit international humanitaire, ou encore droit des conflits armés, droit de la guerre, c'est un droit qui protège des personnes qui ne combattent pas et des personnes qui ne combattent plus. Alors, les personnes qui ne combattent pas, c'est vous, c'est moi, ce sont les acteurs humanitaires, ce sont les reporters de guerre, ce sont des personnes qui ne combattent pas, qui sont protégées. Et puis les personnes qui ne combattent plus. Un combattant blessé et hors de combat, il est protégé. Un combattant qui est fait prisonnier, notamment prisonnier de guerre, il est protégé. Donc ça, c'est l'un des premiers objectifs de ce droit. Le deuxième, c'est justement, c'est ça qui nous intéresse, limiter les moyens et méthodes de combat. Donc certaines armes sont interdites dans la guerre. Les mines antipersonnelles sont interdites depuis 1997 par la Convention d'Ottawa, les bombes à sous-munitions, les balles doum-doum, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de traité qui interdit l'usage du drone. Tout ça, vous le retrouvez dans ce qu'on appelle les conventions de Genève, qui datent de 1949. Et puis, on a un ensemble de dispositifs juridiques qui viennent compléter ces conventions. Donc voilà, ça c'est ce droit. Il est enseigné dans les écoles militaires, il est enseigné auprès de tous les officiers, et il y a ce fameux officier juriste et l'état-major qui va décider de mener l'attaque. Donc il y a un certain nombre de principes qui vont regarder avant de lancer l'attaque. Je peux donner un exemple, un premier principe, c'est le principe de proportionnalité. La proportionnalité, c'est-à-dire de toujours adapter son arme à l'attaque. Une petite métaphore qui est très utilisée dans l'armée, justement, c'est de dire, pour illustrer, on n'utilise pas un bazooka pour tuer une mouche. Et le drone, il a quand même cet avantage qu'il apporte une précision. Et en cela, les acteurs humanitaires et militaires sont d'accord pour dire que ça apporte une efficacité opérationnelle et une précision dans le combat. Encore faut-il qu'on l'utilise correctement. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de rebondir sur plusieurs points. Peut-être sur les signature strikes, les frappes sur des gens qu'on ne connaît pas, ça arrive qu'on se trompe aussi. C'est quelque chose qu'il faut signaler. Il y a eu des attroupements dans divers pays qui ont été considérés comme potentiellement dangereux et qui ont amené à des frappes et qui ont tué des innocents. Ben, de toute façon, oui, forcément, dans tout usage de la force, aussi discriminant et discriminé soit-il, il y a des morts. Au Pakistan, entre 2004 et 2015, On le dit pas beaucoup, c'est pas très médiatisé, mais il y a eu plus de 85 000 morts dans la guerre qui a opposé le gouvernement central et les États-Unis d'un côté au mouvement djihadiste, et notamment aux talibans pakistanais, aux Tehrik et Taliban. Voilà, il y a eu 85 000 morts, dont plus de la moitié de civils. Et dans ces 85 000 morts, on peut supposer qu'il y a beaucoup de morts qui ont été, comme on dit désormais, dronés. Donc il y a forcément des civils qui sont morts. Sur le nombre de morts civiles causées par les drones, les sources sont extrêmement divergentes et c'est très compliqué d'avoir des chiffres sur lesquels il y a un consensus, en fait. On a des armes que tu disais plus précises. Ça marche encore le micro? Non, faut juste le mettre là. Okay. On a des armes qui sont plus précises. On a aussi des gens qui disent que finalement on détruit avant d'affronter. Le fait qu'on utilise des drones, ça me permet de ne plus aller sur le terrain. La semaine dernière, Pampi m'a envoyé une vidéo extraordinaire sur Facebook d'un vendeur d'armes, de drones. Qui faisait l'éloge de son drone pendant 5 minutes dans un style très américain, très marketing, et qui finissait par dire « No boots on the ground », plus de soldats. Est-ce que c'est pas ça justement aussi le problème, le fait de ne plus s'engager sur le terrain, de plus voir, de plus trouver de solutions avec les populations? Le premier constat,
c'est qu'on va de toute façon vers un développement d'une nouvelle technologie de l'armement qui vise à préserver la vie de nos soldats. Donc l'idée, c'est quand même de ne plus envoyer des combattants sur le terrain, mais plutôt d'envoyer des machines. Comme on peut le voir, notamment pour le déminage, hein, de plus en plus, on va recourir à des robots de reconnaissance. Et puis, par rapport à cet élément précis dont on parlait, donc sur les frappes signatures menées par la CIA, notamment au Pakistan et au Yémen, c'est effectivement un faisceau d'indices qui vont déterminer qu'on va présumer que cette personne, elle est coupable. Et ça aussi, ça fait partie du travail du juriste. Comme vous le savez, le juriste aime bien interpréter le droit. Donc il va interpréter le droit international humanitaire. Et parfois, il y a une dénaturation de ce droit. Et à ce moment-là, on va dire, mais toutes les personnes qui sont en âge de combattre, finalement, représentent une menace, donc on va pouvoir les cibler, et systématiquement les cibler. C'est ce genre de dérive qui est contraire, hein, d'ailleurs, au droit international humanitaire. Et quand vous commencez un petit peu à regarder le travail des tribunaux, des cours au niveau national, au niveau américain, on voit l'émergence quand même d'un certain recul à ce niveau-là. Un recul de ? Un recul en disant effectivement le droit international humanitaire et certains articles n'ont pas forcément été respectés en l'occurrence. Que donc il y a une responsabilité pénale qui s'engage et puis qui peut remonter au plus haut niveau de l'État. Du coup, quels articles n'ont pas été respectés dans des cas précis ? En l'occurrence, c'est un article qui est très important en droit international humanitaire, s'il y a des jurés dans la salle, c'est l'article 3, commun aux conventions de Genève. Donc il y a quatre conventions de Genève qui définit bien, justement, dans une situation de conflit armé non international. Alors ça, on n'a pas encore parlé un petit peu de ces frontières, est-ce qu'on est dans un conflit armé international ou non international, mais qui dit en très peu de lignes, il y a certaines règles à respecter dans ce genre de conflit armé, et notamment de respecter le principe de distinction. Quand c'est un combattant, c'est légitime, on peut mener l'attaque, mais quand c'est un non-combattant, on ne tire pas. Et comme le disait Pompi, c'est parfois très difficile de les distinguer. On a des pays où tout le monde se balade avec une Kalachnikov. Ça ne fait pas pour autant de ces personnes des combattants, a priori. Et alors, s'ajoute à cela un principe de précaution. C'est la précaution dans l'attaque. C'est-à-dire que votre officier juriste et l'état-major se réunissent. Et quand, justement, le faisceau d'indices n'est pas réuni ou qu'on n'a pas tous les renseignements, ou qu'il fait nuit, et que donc on peut provoquer des dommages en cascade, le principe de précaution, c'est que je m'abstiens ou je suspends l'attaque, si je ne suis pas sûre. Bon, puis un mot là-dessus, ou pas particulièrement ? On peut passer à... Ok, pas de souci. Moi, j'avais peut-être une question pour toi, justement, sur encore une fois, sur la précision et sur le fait d'envoyer des drones. Tu parlais tout à l'heure de Ben Laden. Et Caroline nous disait on va viser plus précisément avec des drones, on va faire moins de morts éventuellement. Dans son bouquin, Chamaillou nous dit on a tort de comparer le drone par exemple à un avion, à un bombardier. Donc, certes, par rapport à un avion qui envoie plein de bombes, ça fait moins de morts, c'est plus précis. Mais si on le compare à un groupe de combat qui a été utilisé, c'est l'arme qui a été utilisée pour attraper Ben Laden, du coup c'est beaucoup plus violent. C'est assez intéressant comme question. Effectivement, le raid d'Abu Tabad en 2011, mars 2011, si je ne me trompe pas, ou mai, je ne sais plus, 2011 en tout cas, contre Ben Laden a été mené par les commandos, les Navy SEALs, et la Delta Force aussi. Et il y a eu un drone dans l'opération, toujours pour surveiller. Qui surveillait. Oui, qui était au-dessus pour voilà, monitorer le tout. Donc oui, on peut faire ça, mais c'est plus risqué, c'est plus dangereux. Il y a des boots on the ground pour le coup, donc avec des risques pour l'opinion publique, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Ayman al-Zawahiri, le numéro 2 d'Al-Qaïda, a été visé plusieurs fois par des drones. Il a été visé deux fois, il y a échappé à chaque fois. Par contre, d'après les sources que j'ai pu consulter, durant ces deux frappes,
qui était à la fin des années 2010, eh ben, il y a eu 70 morts, dont une trentaine d'enfants. Donc voilà, le drone est, effectivement est une arme qui est discriminante et précise, mais il peut y avoir des erreurs. C'est un peu le scénario la Homeland en fait. Hein. Un peu, un peu. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Pour ceux qui ont vu la série, c'est un peu ça. C'est Alors du coup, face à ces problèmes-là, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que le droit peut encore faire des choses? Alors je vais vous décevoir parce que le droit, et particulièrement le droit international humanitaire, il a toujours un temps de retard sur les nouvelles technologies. C'est-à-dire on a interdit en 97 les mines antipersonnelles, mais parce qu'on avait déjà les bombes à sous-munitions qu'on a interdit en 2001. Ça c'est difficile parce qu'il faut anticiper des règles de droit avec des retours d'expérience. Mais ce qui va nous sauver, peut-être, c'est ce qu'on appelle la coutume internationale. Je vous ai beaucoup parlé là, des conventions de Genève, c'est ce qu'on appelle le droit écrit, mais on a aussi ce qu'on appelle le droit oral. Et ça, c'est la pratique des États, et c'est la pratique donc des combattants qu'on va faire remonter, qu'on va compiler. Le comité international de la Croix-Rouge est chargé de compiler justement ces règles de droit qui vont faire émerger une règle, qui vont lier n'importe qui. C'est-à-dire, ça c'est intéressant, ça ne va pas lier seulement des États, mais ça lie des personnes. Parce que toute la difficulté, ça va être de faire respecter les règles. Autre élément, pour que ça puisse fonctionner, c'est aussi le travail des tribunaux nationaux, et puis aussi de la Cour pénale internationale, peut-être de se saisir de ce genre de questions, et de mettre en place ce droit pénal international, c'est-à-dire juger des personnes qui vont commettre des violations du droit international humanitaire. Là, on parle de violations graves, crimes contre l'humanité, génocide ou crimes de guerre. En l'occurrence, avec les drones, on peut parler, lorsque certains principes ne sont pas respectés, de crimes de guerre. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des actions qui ont été menées, alors, je ne sais pas par qui, mais par des gens qui ont soulevé ce problème et qui ont demandé au comité de la Croix-Rouge ou à ces cours de faire quelque chose? Est-ce qu'il y a déjà assez de matériel concret pour lever l'alerte? Vous pouvez voir aux États-Unis, il y a eu pas mal d'associations hein, qui se sont organisées, notamment il y a des plaintes hein, qui ont été déposées, donc vous retrouvez des décisions justice au niveau des cours nationales. Par contre, il n'y a jamais eu d'arrêt ou de décision de justice rendue à l'heure actuelle par une cour internationale. Et puis, alors le rôle, par exemple, de la Croix-Rouge, nous, notre travail, c'est aussi... alors on travaille avec bien sûr les armées pour les sensibiliser au droit international humanitaire. En France, l'enseignement est quand même assez satisfaisant en la matière. Ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est justement de viser les petites start-up, les industriels qui en fait peuvent concevoir des drones et qui vont aller les vendre à des États ou à des groupes armés, pas forcément d'ailleurs très structurés et organisés. Et là, l'enjeu, il est ici. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sortent d'ailleurs d'école, d'ingénieurs, et qui vont vous faire une arme, mais qui n'ont pas forcément conscience derrière des règles existantes en temps de guerre. Pompi, tu voulais réagir sur cette partie-là? Oui, bah, j'ai un exemple, plusieurs exemples assez concrets. Alors, bien sûr, les personnes, comme tu dis, Caroline, sont pas forcément aptes à fabriquer des drones militaires que les États ont à leur disposition, évidemment que non, mais le drone c'est aussi une technologie civile, en tout cas ce qu'on appelle les micro-drones. Et en 2011, il faut savoir que les États-Unis ont arrêté un certain Rezwan Ferdows, qui était étudiant. Il avait 27 ans à l'époque, il était étudiant en physique et il avait l'intention d'attaquer le Congrès et le Pentagone avec un drone bourré d'explosifs qu'il avait fabriqué lui-même. Et d'après ce que j'ai pu lire, la phase était imminente. Hein, ils l'ont arrêté juste avant qu'il opère. De même, en 2013, des étudiants tunisiens en aéronautique ont été arrêtés dans plusieurs villes d'Allemagne. Et pareil, ils étaient en train de confectionner des drones
dotés de missiles. Pour continuer un tout petit peu là-dessus, et après je rends le micro. Vas-y. Le grand fantasme de l'État islamique, ce serait de faire un attentat avec des drones. Comme ça, ils peuvent à la fois engendrer des dégâts plus ou moins importants selon le type de drone et l'armement que les drones transporteront, mais surtout ils peuvent filmer l'attaque en temps réel et ensuite la diffuser sur les réseaux sociaux et avoir un impact médiatique maximal. Et par exemple, pendant les survols de centrales nucléaires qu'il y a eu en 2014-2015, il y en a eu plusieurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le SGDSN, le Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale, a fait un rapport pour, suite à ces survols de centrales nucléaires par des drones, pour justement essayer de mettre en place des dispositifs défensifs pour éviter voilà, d'éventuelles attaques terroristes de ce type. Du coup, on a des canons qui attrapent les drones, c'est ça? Tu m'avais parlé de ça, il me semble, ou des... Alors, comment on attrape un drone illégal du coup dans le ciel? Bah, c'est très compliqué. On a vu à Mossoul ou à Raqqa les soldats qui, notamment les soldats irakiens, qui quand ils voyaient un drone de Daesh essayaient de tirer dessus avec leurs armes automatiques, mais c'était très compliqué de les atteindre. Il y a des dispositifs, je les connais pas parce qu'ils sont pas forcément diffusable, public, voilà. Il y a des dispositifs avec des filets, effectivement. L'armée américaine a développé et va expérimenter très bientôt des canons à laser anti-drone. D'accord, merci Pompi. On a quand même des scoops. Avant de passer à une partie un petit peu plus éthique, dirais-je, sur les transformations de la guerre, moi j'avais une dernière question sur ta partie... Caroline, il y a de fait un flou juridique, il y a une technologie qui va vite, il y a un peu des trous dans la raquette, pour le dire simplement. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie des États de se servir de ces zones grises du droit pour attaquer un peu comme ils veulent, n'importe comment, utiliser la CIA plutôt qu'une armée régulière, conventionnelle, entre guillemets, pour faire leur loi? Le droit international humanitaire est fait par les États, pour les États. Oui, mais il y a des États qui s'en passent assez facilement. Alors, de temps en temps. Les conventions de Genève, elles ont été universellement ratifiées par tous les États. Et oui. Ça date de 1949. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, la manière de faire la guerre a un petit peu changé. Effectivement. Ça, c'est une première chose. Donc, effectivement, si on devait réunir aujourd'hui les États pour adopter les mêmes règles, je pense qu'on n'arriverait pas à ce résultat. Ensuite... Et ça, on peut le constater dans les conférences internationales aujourd'hui, et c'est le reflet de la géopolitique, c'est extrêmement difficile de s'accorder sur des définitions, et donc sur l'adoption de ce qu'on appelle du droit dur, du droit écrit, c'est-à-dire bah, réunir tout le monde autour de la table et se mettre d'accord, on signe à la fin, on signe un traité, on signe une convention. Donc clairement, on voit des oppositions, des réticences et on aboutit à rien. Alors on va plutôt ce qu'on appelle sur du droit mou, la soft law. C'est ce qu'on a fait pour les entreprises militaires de sécurité privée. On a fait le document de Montreux qui rappelait un petit peu qui était responsable en temps de conflit armé. Je pense que sur peut-être les drones, on ira sur un guide interprétatif peut-être de la conduite des hostilités. Mais ça va de pair avec une avancée technologique où les juristes ont aussi du mal, il faut le reconnaître, à travailler de manière transversale avec les ingénieurs et à définir des règles de droit. Et du coup, à la Croix-Rouge, concrètement, toi, quand tu as fait ce travail sur les drones, quelles répercussions ça peut avoir, justement, en dehors des startups que tu vois? Est-ce que tu es amené à avoir des discussions, justement, avec des gens dans l'armée qui sont sensibilisés à ces questions-là? Alors, oui... comme vous le savez, il y a la Direction Générale à l'Armement qui va quand même certifier l'achat de toute arme qu'elle va utiliser. Donc c'est quand même pas rien hein, qu'on décide d'armer un drone, ça se décide pas du jour au lendemain. Donc il y a un certain nombre de règles hein, qui sont à respecter en interne. Nous, effectivement, on est un peu plus vigilants et les difficultés, ça va être avec ces industriels et ces petites start-up. Je vais vous donner un petit exemple rapidement, une anecdote.
On est 191 Croix-Rouge et Croissant-Rouge dans le monde. Donc on sait quand même assez rapidement ce qui se passe en Israël, par exemple. Dernièrement, j'ai eu la possibilité d'assister à un colloque. On avait un drone dans la salle qui était en capacité d'avoir un logiciel pour faire de l'auto-poursuite, donc il peut vous suivre, et de la reconnaissance faciale. Donc on rentre dans le drone un certain nombre de visages, peut-être des visages de personnes qu'on recherche ou des visages d'une nation. Donc à la fin, on peut avoir un essaim de drones qui mènent des attaques. Donc le danger, effectivement, il va être là. Ça veut dire c'est que finalement, on va bricoler des armes qui, au final, sont particulièrement redoutables. Et ce qui fait écho d'ailleurs à ce qui se passe en Chine avec des grands programmes de captation de données et de reconnaissance faciale, en fait, qui sont directement mis à disposition des policiers qui peuvent, paraît-il, grâce à une bête paire de lunettes, savoir qui est cette personne. C'est assez fou, ils vous retrouvent en quelques secondes et éventuellement ils vous arrêtent si vous avez quelque chose à vous reprocher. Mais si vous n'avez rien à cacher, comme on dit, vous n'avez pas à vous en faire. Est-ce qu'il y a d'autres types, justement, de drones qui existent, peut-être, Pampi, tu en parles aussi dans ton livre, je pense aux drones, par exemple, où plus largement, ici on parle de drones aériens, on a aussi des drones sous-marins, on a aussi des robots. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors oui, là on parle beaucoup des drones, mais on n'a même pas défini ce que c'était en fait, exactement. On va peut-être commencer par là. Un drone, c'est un engin mobile terrestre, aérien ou naval, sans équipage embarqué, qui est programmé ou télécommandé et qui peut être théoriquement réutilisé. Voilà, ça c'est un drone. Actuellement, on parle beaucoup des drones aériens parce que ce sont la majorité des drones existants et utilisés. Mais demain, très vite, on va parler beaucoup des drones sous-marins parce que c'est un peu l'avenir. Et y a beaucoup de choses qui se passent sur les océans malgré tout, même si c'est très grand. Et les drones sous-marins, notamment Vladimir Poutine a fait une déclaration fracassante il n'y a pas longtemps, juste avant d'être élu, où il disait donc qu'il avait des drones sous-marins capables d'embarquer une arme nucléaire. Enfin bon, ça reste du déclaratif, mais on sait très bien que les Russes, en termes de recherche et de développement, ont fait d'énormes progrès en robotique et en drones depuis 2013-2014. Il y a également une autre information qui circule, mais celle-là, j'ai essayé plusieurs sources et c'était pas tout à fait pareil. Alors, juste laissez-moi retrouver dans mes notes. Mais il y a un article qui a été écrit par un chercheur qui s'appelle Thierry Berthier. Je pense que tu le connais, Caroline. Il recherche aussi au sein de Saint-Cyr Quotidien. Et donc il a publié un article sur une unité de combat robotisée qui aurait pris part à une opération militaire en Syrie pour reprendre une tour de Syriatel près de Latakia. Et donc il y aurait une dizaine de robots, pas des robots en fait, plus précisément c'est des drones terrestres puisque ce sont des robots téléopérés par des hommes, hein, faut être précis. Et donc ces robots-là, armés d'armes automatiques et de lance-grenades, et de lance-roquettes aussi, je crois, auraient permis en première ligne de reprendre cette tour. Ils auraient été envoyés en collaboration avec des essaims de mini-drones de reconnaissance. Donc apparemment une opération très sophistiquée. J'ai tendance à croire Thierry Berthier parce que c'est quelqu'un de très sérieux. Ce qui est assez drôle, et après j'en terminerai là pour ça, c'est que Spoutnik, média que certainement vous connaissez plus ou moins tous, qui est assez connu, on en a entendu parler pendant la campagne présidentielle, ils sont plutôt réputés comme étant pro-russes, sinon les relais de la parole officielle russe. Eh bien, il y a un article de Spoutnik qui dément
le fait que des robots russes soient intervenus dans cette bataille qui serait survenue en décembre 2015. Voilà. Donc je en source ouverte, c'est tout ce que j'ai pu trouver là-dessus. C'est déjà bien, merci. Je passe un peu à d'autres questions qui sont plus presque philosophiques sur justement les frontières éthiques, les frontières psychiques qui sont générées par ces nouvelles armes. Aujourd'hui, on veut un peu faire la guerre sans mourir, en fait. On veut occuper un espace et sans forcément avoir des gens sur place. Est-ce qu'il n'y a pas une notion dans la guerre, un certain sens de l'honneur, éventuellement un risque qu'on prend ? On s'expose personnellement, et du coup ça change toute la manière de voir les choses. Est-ce que le drone, ça change pas fondamentalement ça, le rapport de l'homme à la guerre, et à l'ennemi surtout ? Oui, effectivement, donc quand on parle de frontières, et ici dans cette salle avec les cartes, je pense que c'est assez parlant. C'est-à-dire que le drone va favoriser justement une distance géographique. Hein, on reprend notre opérateur, il est à une distance géographique telle du lieu de combat que la perception n'est pas la même. Ça engendre ce qu'on appelle une distanciation émotionnelle. Sauf qu'on l'a un peu sous-estimé au départ. Notamment, nous, on a eu des retours des services de santé américains qui nous disaient, bon, un opérateur de drone, voilà, il travaille, puis après, il rentre chez lui. Mais il n'était pas débriefé. Il n'y avait pas de soutien psychologique qui était mis en place. Et on s'est rendu compte que 4 mois, 5 mois, 6 mois après, on avait des opérateurs qui vivaient la même chose que des combattants sur le terrain, c'est-à-dire qui se retrouvaient dans des états post-traumatiques, donc de stress. Et donc, ils ont retravaillé sur les formations, les débriefings, puisque certains, finalement, peuvent s'attacher au lieu à travers un écran, finalement. Il y a un effet presse-bouton et joystick presque qui peut être assez addictif. Donc on a commencé à travailler là-dessus. Ce sera intéressant de voir comment l'armée française et le service de santé des armées va anticiper cela. Mais c'est assez constant dans les nouvelles technologies. Hein. On parle de cyberguerre, on parle de robots, on parle de drones. L'homme est encore dans la boucle, mais il est loin. Il est loin du combat. Merci, Pompi. Oui, pour revenir juste quelques instants sur les pilotes de drones. C'est vrai que les autorités américaines ont constaté un vrai burn-out hein, chez les pilotes de drones. Un vrai burn-out. Et pour cause, le nombre de missions a été multiplié par 2 entre 2008 et 2014. Été 2010, en fait, la majorité des pilotes de l'armée de l'air américaine n'étaient plus des pilotes de chasse d'avions habités, mais des pilotes des opérateurs de drones depuis 2010. Du coup, il y a eu un vrai burn-out. Il y a un rapport du think tank RAND Corporation qui est sorti en 2017 et qui fait état du très mauvais état justement des pilotes de drones. Pourquoi ? Alors, on peut arguer du fait qu'effectivement, les pilotes de drones, ils sont loin de la guerre. C'est vrai. Mais plus d'un opérateur de drone sur 5 a assisté à un viol en direct, par exemple. Ou certains pilotes ont déclaré avoir vu, durant leur mission, plus de 100 cas de torture, de viol. Voilà. Donc ils voient beaucoup de choses très dures. En plus de ça, ils ont le poids d'une décision qui parfois ne leur appartient pas. Et après chaque frappe de drone, il y a toujours un monitoring après pour vérifier. La cible a été atteinte, oui, non, quels dégâts, combien de victimes. Et là, on voit, c'est pareil, les opérateurs de drone voient ce qu'ils ont fait. Et ils le voient, certes, de haut, ils sont loin, mais ils le voient quand même. Et on minimise souvent les pertes civiles, mais les opérateurs de drones, ils savent très bien qu'ils ne tuent pas que des grands chefs d'Al-Qaïda ou des talibans.
Et alors Pompéi, justement, je continue là-dessus. Est-ce qu'on n'a quand même pas aussi instrumentalisé cette douleur pour justifier le fait justement que c'était que nous aussi en fait on souffrait quoi. Certes, on n'est plus sur le terrain, on tue des gens, mais c'est dur psychologiquement. Certes, mais on n'est quand même plus sur le terrain, on risque plus de mourir. Et est-ce que c'est comparable à celui qui reçoit la bombe quand même ? Alors non. Non, c'est pas comparable forcément. Mais oui, en fait, l'éthique de base du soldat, c'est quoi ? C'est qu'on lui donne le droit exorbitant de tuer, mais parce que lui-même est prêt à mourir pour son pays. Et il y a aussi le problème de la survie. Le militaire peut survivre, mais malgré tout, il voit la mort. Il la voit autour de lui, partout. Il y est confronté. L'opérateur de drone, en fait, il donne la mort, mais sans avoir à la risquer. Donc du coup, il y a une grosse distorsion au niveau interne qui se fait. Et l'opérateur de drone, il est ni lâche ni courageux, c'est juste un militaire de guerre d'un nouveau genre, en fait. Oui, mais alors le message que j'ai, c'est que dans les environnements technologiques en général, on a la sensation qu'on veut s'immuniser de manière générale contre le risque. Oui. On est dans une société qui refuse le risque, oui. On l'éloigne un maximum. Le drone, c'est l'aboutissement de ça dans la guerre, finalement. Donc ma question, oui, elle était finalement pas tant sur les opérateurs de drones, qui certes peuvent avoir des souffrances qui sont avérées, ou pas d'ailleurs, les sources se contredisent un petit peu, notamment dans ce bouquin. Il y a des gens qui disent que tout ça, c'est pas vrai, ou pas si vrai que ce qu'on veut faire croire. C'est quand même un peu vrai. C'est quand même sûrement un peu vrai. Il y a un très bon film là-dessus qui s'appelle Good Kill, d'ailleurs, où on peut voir un ancien pilote de chasse qui devient un pilote de drone et qui vrille. Qui vrille totalement, et c'est assez bien fait. Mais bon, on sait ce que ça promeut et on sait à qui ça bénéficie, entre guillemets. Mais c'est, donc cet aboutissement-là, est-ce qu'il n'est justement pas l'aboutissement d'une société qui refuse le risque ? Finalement, où ça va, quoi ? Mais oui, c'est que le drone est un symptôme de la société du risque, c'est ce que je dis dans mon livre. C'est-à-dire qu'on utilise des armes qui distancient au maximum l'homme de notre côté. Mais de l'autre côté, du côté adverse, le résultat est le même. C'est juste que nous, on protège nos soldats. C'est l'histoire de l'allonge dans la guerre. Hein. C'est David contre Goliath. David, au début, il voit qu'il ne fait pas le poids, il utilise un lance-pierre. Après, on est passé aux arcs, à l'arbalète, puis au canon. Et voilà. Aujourd'hui, le drone, c'est ça. Sauf que le problème, c'est que les gens qui utilisent les drones sont les plus puissants. Donc c'est un peu une inversion de David et Goliath, si je puis dire. Du coup, est-ce qu'on peut gagner une guerre avec des drones ? Tu parles beaucoup dans ton livre, justement, de cette notion-là, de qu'est-ce qu'on peut gagner aujourd'hui une guerre dans le cyber ? Pas vraiment, en fait. Déjà, on ne sait pas quand elle commence, on ne sait pas quand elle finit, on ne sait pas où elle est. Est-ce que c'est une arme qui va plus permettre que ce qu'on faisait avant de finir des conflits, d'en finir, c'est-à-dire avec des solutions politiques, en fait ? Est-ce que ça éloigne pas le politique ? Si. Est-ce que le terrorisme est mort aujourd'hui ? Non. Voilà. Merci, Pompier. Un mot là-dessus, Caroline, peut-être Oui, pour conclure, j'irai même plus loin. C'est-à-dire, c'est très typique de l'asymétrie des conflits armés. C'est-à-dire avec des puissances occidentales qui vont préserver la vie des hommes et de leurs soldats. Et puis de l'autre côté, avec des groupes qui n'ont certainement plus rien à perdre et qui vont vouloir mener un impact humanitaire et médiatique très fort, donc avec des prises d'otages de reporters de guerre, d'acteurs humanitaires. C'est ça aujourd'hui la perception qu'on a du conflit armé. Par contre, on en a peu parlé, en tant qu'acteur Croix-Rouge, je vais le mentionner, vas-y. C'est la perception de la population civile de ces drones. Hein, au Yémen, au Pakistan, on parle aussi de traumatisme de la population civile, notamment des enfants. Y a peu d'études sur le sujet encore accessibles, je dirais, dans la francophonie, sur cette thématique. Ça mérite pourtant d'être creusé. Et l'enjeu, il est aussi également du côté des humanitaires, parce que nous aussi, on utilise des drones. Et vous imaginez bien qu'on ne va pas aller les utiliser au Yémen et au Pakistan.
Alors nous, les, pourquoi les, vous utilisez des drones? Alors justement, nous, c'est effectivement pour faire de la cartographie. Aujourd'hui, notamment en Syrie, si vous voulez mettre en place ce qu'on appelle un corridor humanitaire, acheminer une aide humanitaire, un drone, ça va permettre quand même de faire une cartographie, une reconnaissance pour repérer l'acheminement de l'aide humanitaire. Mais c'est aussi un drone qui peut être utilisé après une catastrophe naturelle pour mesurer les dégâts, les zones. Pour acheminer également des médicaments dans une zone isolée. Donc les humanitaires s'intéressent également à ces nouvelles technologies. Et je vais conclure aussi là-dessus. Ces drones sont loin d'être infaillibles parce que la menace, je pense, particulière, c'est justement les attaques qu'ils vont subir et les cyberattaques. C'est-à-dire la capacité de détourner l'usage du robot à d'autres fins. Du coup, Pampi, tu n'avais pas des données là-dessus sur, toi qui m'as l'air bien renseigné, sur des cas de drones qui ont été hackés peut-être? Alors oui, il y a un cas très très actuel du coup. Enfin, il y a un drone américain Sentinel, qui est un drone théoriquement furtif, mais apparemment il n'avait pas été assez furtif. Il a été hacké par les Iraniens, c'était un drone américain, il a été hacké par les Iraniens en 2011, et donc les Iraniens ont réussi à pénétrer dans le système et à modifier les coordonnées GPS pour faire atterrir le drone sur le territoire iranien à un endroit qu'ils ont choisi. En gros, les Américains ont perdu le contrôle de ce drone. Et cette affaire a refait surface tout récemment, là, en février 2018, puisque, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu un début d'inflammation du conflit en Syrie suite au survol du territoire israélien par un drone iranien, supposé iranien, qui est la réplique presque exacte de ce drone Sentinel qui a été piraté en 2011. Donc voilà, c'est possible. Le drone ne reste qu'un ordinateur volant, en quelque sorte, et tout ordinateur est piratable. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on en termine, Pampi, quand même. Sur, on parle beaucoup d'armes autonomes, d'intelligence artificielle, dans quelle mesure donc, est-ce que ces drones vont finir aujourd'hui par pouvoir prendre des décisions vraiment tout seuls à partir de ce faisceau d'indices que décrivait Caroline? Est-ce que c'est imaginable? On a des exemples de robots flics qui existent aujourd'hui entre les Corées ou dans différents pays qui prennent déjà des décisions plus ou moins tout seuls, qui savent reconnaître un comportement licite, illicite. Est-ce qu'on a demain des drones, sûrement pas chez nous, mais dans ces pays-là, qui vont tirer tout seuls, qu'on va laisser Alors je ne suis pas du tout ingénieur, j'ai pas une formation scientifique, donc j'ai pas envie de m'avancer trop. Le numéro 2 de Google a dit il n'y a pas longtemps que les robots tueurs existerait d'ici une à deux décennies grand maximum je pense que technologiquement on y est presque, on est au seuil comme on dit dans le jargon nucléaire, là l'homme est au seuil de l'émergence du robot tueur. Alors pour ceux que ça intéresse vraiment, parce que moi je suis pas, pardon, je ne suis pas un spécialiste, je suis juste une personne qui s'informe un peu. Modestement. Et il y a un militaire, justement, qui s'appelle Brice Herblanc, qui vient juste de publier en février 2018 cet ouvrage, Robots tueurs, que seront les soldats de demain, et dans lequel donc, il parle de ce qu'on appelle les SALA, les systèmes autonomes, les systèmes d'armement létaux autonomes. Ce qu'on appelle trivialement les robots tueurs. Et donc, lui-même, dans son livre, il dit que voilà, c'est une question de temps avant que l'intelligence artificielle soit suffisamment avancée pour pouvoir faire que la machine prenne des décisions de manière autonome. Mais lui, l'objet de son livre, c'est... il reprend un peu les thèses du roboticien Robert Arkin, qui est d'essayer de faire entrer des principes éthiques et juridiques de manière computationnelle dans un système. On aurait une intelligence artificielle, c'est le mot de la fin, qui va respecter le droit international humanitaire, vous y croyez, tu y crois, Caroline? Eh oui,
Parce que effectivement, comme cela vient d'être souligné, c'est Ronald Arkin qui travaille sur des algorithmes à partir des conventions de Genève. Faire un robot complètement autonome. Il y a trois formes de robots aujourd'hui. Des robots téléguidés, téléopérés, l'homme est dans la boucle. Des robots automatiques, l'homme est dans la boucle, il va le déclencher, mais après il y a une partie automatisée. Et puis le robot autonome, c'est le super robot qui est doté de l'intelligence artificielle, donc qui est en capacité de réfléchir par lui-même et d'être plus intelligent. Et là, ça mérite un débat organisé par le Mouton Numérique sur le sujet. D'accord, et on invitera du coup Louis Serblandre pour ça, pas de souci. Écoutez, merci beaucoup à vous deux de vous être prêtés au jeu. On va vous laisser des questions si vous en avez envie. Alors par contre, on a un micro qui doit se... Il faut le détacher un peu. N'hésitez pas. Il va peut-être falloir venir pour les gens qui veulent poser des questions juste ici. Alors, il va falloir vous déplacer, je suis désolé, pour avoir le son de votre question. Et vous pouvez vous mettre juste là avec ma collègue. Ouais, allez-y, venez, n'hésitez pas. Bonjour, merci pour vos questions, merci pour votre discours. J'ai beaucoup aimé. Donc en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses pour me répondre à les discours qu'il faut penser. Je pense que vous avez beaucoup parlé de l'Occident, c'est très bien, mais je pense qu'il faut aussi un peu parler du rôle des pays tiers dans ces zones-là. Donc en fait, il y a deux choses très importantes. D'abord, en fait, il faut parler beaucoup des renseignements. Donc en fait, oui, malgré le fait que les Américains, ils ont beaucoup d'argent, ils ont les moyens très techniques, très performants, ils sont complètement aveugles avec le renseignement local sur place. Donc ça c'est le rôle des pays tiers, tels que le Pakistan, l'Afghanistan, qui jouent un rôle essentiel. Donc sans l'appui des pays comme le Pakistan, l'Afghanistan, qui ont les ressources humaines sur place, les Américains et les Français, ils sont un peu aveugles. Car dans cette zone-là, la présence étatique, donc vraiment du gouvernement local pakistanais ou afghan, est complètement inexistante. Donc ils savent très bien que ces terroristes-là, en fermant leur portable, en se reculant des moyens électroniques, les Américains, ils peuvent rien faire. Donc je pense aussi qu'il faut parler beaucoup du rôle que joue le ISI, le RAD en Afghanistan. Deuxièmement, en fait, c'est aussi le rôle logistique que jouent beaucoup de pays en Afrique. Donc là, vous avez évoqué tout à l'heure les frappes de drones au Sahel. Et les frappes de drones ne sont pas parties de la France. C'est quand même des bases militaires françaises et américaines qui se trouvent au Burkina Faso, aussi au Tchad, tout ça. Donc ces pays-là, ils jouent un rôle essentiel dans la lutte antiterroriste, non seulement pour l'appui logistique, mais aussi pour l'appui essentiel humain. Donc je pense qu'il faut aussi considérer tout ça comme facteur pour résoudre un problème qui nous affecte tous. Donc merci. Du coup, c'est pas vraiment une question, mais mais oui, c'est tout ce que vous dites est très juste et j'abonde. effectivement, les pays occidentaux, dans les endroits où ils frappent, sans des indiques sur place qui sont ancrés dans les réalités locales, effectivement, ils ont beaucoup de mal à frapper. Et donc, c'est très juste ce que vous disiez. Et on peut dire aussi que l'ISI, donc les services secrets pakistanais, n'ont pas toujours un rôle d'une clarté absolue, mais bon, comme tout service secret, hein, voilà, parfois ils soutiennent des... En fait, ils aident les Américains pour des frappes sur leur propre territoire. Mais maintenant, de moins en moins, vu qu'eux-mêmes, le Pakistan, ont des drones armés, donc ils peuvent eux-mêmes frapper leurs propres insurgés s'ils le veulent. Ils l'ont fait pour la première fois en septembre 2015. Pour ce qui est du Sahel, effectivement, c'est tout à fait juste. Il y a un appui... il y a des bases de drones au Niger, au Burkina Faso. Ça a commencé par les Américains. Les Français en ont au Tchad aussi. Et récemment, le Niger a même autorisé officiellement, les autorités nigériennes ont autorisé officiellement les États-Unis à frapper sur leur sol à partir de drones pour tuer des insurgés. Voilà. C'était juste pour poursuivre ce que vous avez dit. Donc effectivement, autorités locales et populations locales, évidemment, elles ont un rôle. Si vous avez d'autres questions, alors vous pouvez, va falloir venir ici, mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre debout, vous pouvez vous asseoir ici. Pour que ça soit un peu moins impressionnant, du coup. C'est mieux de se mettre là. Merci. Une question très simple. C'est-à-dire, quels sont les principaux États constructeurs de drones
Donc qui les fabrique? Est-ce qu'il y a des États qui sont spécialisés? Parce que vous avez parlé aussi de start-up. Donc, voilà. Et puis ensuite, une autre question, c'est qui achète quoi à qui et selon quels critères? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a obligatoirement, quand la France par exemple achète des drones, est-ce qu'il y a simplement des critères, on va dire militaires, mais également des critères politiques? Essayer d'acheter des drones à tel pays alors qu'il ne peut-être, enfin j'ai des exemples précis en tête, alors que peut-être ils ne sont pas si efficaces que cela. Oui, alors du coup, par rapport aux achats et les règles qui s'appliquent, il y a un article qui est l'article 36 du protocole additionnel 1 qui mentionne la licéité des armes. Donc, n'importe quelle arme conçue, créée, achetée, vendue, doit remplir effectivement un certain nombre de règles du droit international humanitaire. Ces règles sont définies dans cet article, elles doivent répondre à un certain nombre de principes dont on a parlé, de distinction, de proportionnalité, de précaution dans l'attaque. Donc tout cela est défini et puis certifié généralement par les directions générales de l'armement. Tout ça est particulièrement codifié, ça c'est ce que dit le droit. Alors, je crois qu'il y avait des éléments de réponse dans la manière où vous avez posé les questions. Il y a toujours des éléments politiques ou géopolitiques dans la vente de certaines armes. Ça. Mais ça, ce n'est plus de mon ressort. Ce n'est plus de le ressort de la Croix-Rouge, j'ai envie de dire. Donc, je vais laisser la parole à mon voisin. Je ne sais pas à quel... Il est où, monsieur ? Je ne le vois plus. Ah. Je ne sais pas à quoi vous faisiez référence exactement au niveau des pays ou des drones, des exemples que vous aviez en tête. Comme ça ? Oui, voilà. Comme ça ? Ok. Mais évidemment, oui, il y a des considérations géopolitiques sur les ventes de drones. Par exemple, Israël, Israël a plutôt une politique d'exportation un peu tout azimut, mais par exemple, elle vend des drones à la Russie, elle vend des drones à l'Inde, elle vend beaucoup de drones, mais c'est les États-Unis qui restent le premier exportateur mondial de drones, et ils les exportent plutôt dans les pays alliés, donc qui font partie de l'Alliance Atlantique en général, mais pas uniquement, puisqu'ils en ont vendu aussi au Pakistan. J'avais un truc en tête, j'ai oublié. Un trou là. Ça va me revenir. Si ça me revient, je. Oui, les Chinois. Pardon. Les Chinois. Les Chinois produisent beaucoup de drones aussi depuis 2013-2014 et ils en exportent beaucoup. Notamment dans certains pays africains, je pense au Nigeria en particulier. Ils en exportent également un peu au Moyen-Orient. Voilà, tout est bien sûr, comme l'a dit Caroline, c'est aussi des affaires de diplomatie et d'intérêt géostratégique, les ventes d'armes. Donc on ne vend pas des armes à n'importe qui et c'est pas un hasard les pays auxquels on vend des armes. Voilà. Désolé pour le. Non, pas de problème. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. J'ai une question assez juridique. Vous avez beaucoup parlé de la du droit de tuer sur présomption, en fait, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé des drones américains. Est-ce que ça va aussi s'appliquer à la France? Est-ce que ça s'applique aux autres pays qui font usage des drones, en fait? Comment est-ce que ça se passe d'un point de vue... Enfin, est-ce que tous les pays qui font usage de drones ont les mêmes législations, ou c'est du droit international, en fait? Vraiment, je n'y connais pas grand-chose, donc c'est l'action. Et j'ai une deuxième toute petite question, mais qui est plus une anecdote. Est-ce que, du coup, ça veut dire que les pilotes de chasse, les vrais pilotes de chasse, vont disparaître? Sur la première question, vous devez mettre en perspective deux cadres juridiques. Le premier, c'est le cadre international.
le droit international humanitaire s'applique à la France, aux États-Unis, donc toutes les règles de distinction, de proportionnalité, de précaution dans l'attaque vont s'appliquer dans l'usage d'un drone. Donc le fait de dire qu'on va attaquer systématiquement des personnes qu'on présume coupables, entre guillemets, ça c'est contraire au droit international humanitaire. Notamment, en plus, dans le droit international humanitaire, effectivement, c'est un droit qui autorise le combat, le fait de neutraliser l'adversaire, mais le fait aussi de faire prisonnier l'adversaire. Et on n'en a pas forcément, on n'a pas creusé cette question, mais le drone, il va tuer la cible. Il ne laisse pas l'option de faire prisonnier. Il n'y a plus de question de détention, de détenus, de prisonniers de guerre. Et l'autre cadre juridique qui est à prendre en compte, et je précise bien que le droit international humanitaire va s'appliquer uniquement dans des situations de guerre. Donc il faudra prouver qu'on est bien en situation de conflit armé. Par contre, si c'est une situation de paix, une situation de trouble et de tension interne, c'est les droits de l'homme qui vont s'appliquer et le droit national. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant. Là, on voit l'émergence d'un droit européen qui va un petit peu poser un cadre juridique dans le domaine civil, mais qui est très différent des autres législations. Là, ça mérite vraiment une étude comparative des cadres juridiques existants. D'autres gens qui veulent poser des questions? Ah. Oui, est-ce qu'il y aura encore des pilotes? Oui, il y aura toujours des pilotes de chasse. Alors, il y a une confusion terminologique qu'on entend souvent, ou qu'on lit souvent, c'est drone armé et drone de combat. Souvent, on confond les deux pour parler des drones armés, en fait. Les drones de combat, ça n'existe pas tout à fait encore. Il y a actuellement un drone de combat qui est développé en Europe, notamment par les Français, avec Dassault, je crois, ou Thales, je ne sais plus, j'ai oublié, et les Britanniques, mais plusieurs autres pays. Donc un drone européen qui s'appelle le Neuron, et qui sera un drone de combat à proprement parler, donc autonome, voilà. Un chasseur en fait, un chasseur mais dronisé, semble, voilà. Actuellement il n'y a pas de drone de combat, mais je pense pas qu'à moyen terme les pilotes de chasse disparaîtront totalement. Tout simplement parce que même si on arrive à des niveaux de développement d'intelligence artificielle très développés, il y aura probablement toujours des hommes derrière pour faire la guerre. Je pense, mais c'est juste mon avis. D'autres questions dans le public ? Oui, c'était pour revenir sur David et Goliath. Tu as parlé un peu du chef d'Al-Qaïda qui a subi deux attaques et qui en a réchappé. Et je pensais au père Haqqani, chef taliban, Jalaluddin, je crois. Ça fait des décennies qu'on le recherche et on ne l'a toujours pas chopé. Comment ça se fait en fait que justement ces nouvelles technologies ne permettent pas de l'avoir ? Bonne question, Marianne. Jalaluddin Haqqani, maintenant, il est devenu, il est numéro 2 hein, des talibans afghans. L'ancien chef des talibans afghans, qui s'appelait Mansour, a été tué dans une frappe de drone en 2016. Et depuis, en fait, le mouvement taliban a un peu... Alors, il n'a pas muté, hein, il est toujours pareil, hein, égal à lui-même, mais il a intégré en fait dans son commandement le réseau Haqqani qui est extrêmement lié à Al-Qaïda. Donc, ça montre bien qu'il y a toujours quand même une interpénétration très forte entre les deux. Alors, comment expliquer qu'il ne l'ait pas trouvé ? C'est difficile de répondre. Comme disait monsieur tout à l'heure, ça dépend aussi des sources disponibles sur le terrain. Je pense que ce n'est pas des gens qui se montrent
tous les 3 jours dehors. On avait retrouvé notamment quand Ben Laden a été capturé en 2011 dans ses notes, dans les données informatiques qu'on a récupérées, dans tout ce qu'il avait pu écrire, que ce qu'il redoutait le plus, c'était les drones armés. Et donc c'est pour ça qu'il est resté planqué vraiment et qu'il sortait plus. Et ça doit être le cas pour les grands chefs talibans, à mon avis. Ils font vraiment très très attention, et s'il n'y a pas à un moment donné une source locale qui peut désigner la cible, oui, c'est compliqué, je pense. Encore des questions peut-être, monsieur? En gros, on refuse de faire la guerre maintenant, donc on fait du maintien de la paix, qui est en fait un maintien de l'ordre international, dominé par l'Occident aujourd'hui encore. Maintien de l'ordre international, c'est maintien de l'ordre. Donc je me demande à quel point ces technologies pourraient se diffuser dans l'espace civil, c'est-à-dire dans du maintien de l'ordre au sens quotidien qu'on peut lui donner. Je demande ça puisque les technologies, par exemple aujourd'hui, d'IA ou d'algorithmes, sont massivement utilisées, développées à la base contre le terrorisme, et maintenant on les voit apparaître dans l'espace public. Donc voilà, donc à quel point ces drones pourraient apparaître dans la vie civile. Votre remarque est très juste. Et je crois qu'on y est déjà, en fait. On fait déjà ce constat que les nouvelles technologies nous influencent les armées et le monde civil. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Parrot, par exemple, qui fabrique des drones civils. Leur technologie, elle est aussi approchée par les armées et le monde civil, parce qu'ils développent des petits logiciels qui vont s'ajouter à un drone, qui ont un intérêt particulier. Donc, ce que vous mentionnez à travers le maintien de l'ordre, je crois que c'est déjà effectivement le cas, et ça se répand partout. Et je crois que le plus parlant, c'est à travers le cinéma aussi. Finalement, les robots autonomes qui suscitent beaucoup de fantasmes hein, aussi, c'est un peu Terminator qu'on imagine. C'est Star Wars, parce qu'on a aussi un déplacement du conflit armé dans l'espace extra-atmosphérique. Tout ça peut paraître de la science-fiction, mais on s'y approche de plus en plus. Alors c'est vrai que moi, mon périmètre est plus dans les conflits armés. Donc peut-être que tu as une vision aussi des choses. La question, c'était si les technologies actuellement développées pour les militaires allaient se diffuser dans le civil, c'est ça, hein, plus c'est ou moins. C'est ça, ouais. Alors oui, effectivement, c'est déjà, comme l'a très bien dit Caroline, c'est déjà un peu le cas, ou en tout cas, on y va à grands pas. Pendant que j'écrivais mon livre, j'ai oublié l'auteur malheureusement, mais j'ai pu lire un article qui a été publié dans la Revue de Défense Nationale, donc revue éminemment sérieuse, hein, qui posait la question de l'utilisation des drones qu'on appelle MAL, moyenne altitude longue endurance, sur le territoire national pour surveiller. Donc la question se pose, et j'ai entendu aussi des journalistes dans la très populaire émission C'est dans l'air la semaine dernière, après l'attentat qu'il y a eu, parler du fait que oui, effectivement, les forces de sécurité intérieure étaient aussi de plus en plus intéressées par ces technologies. Nous surveiller, en fait, concrètement. Surveiller tout le monde. Surveiller les zones grises. Surveiller les. Du coup, concrètement, c'est des drones qui volent en permanence au-dessus du territoire national pour regarder les gens et voir s'il n'y a pas un terroriste dans le tas. Bon, c'est ça. C'est-à-dire c'est comme mettre des caméras partout. Non, on n'est pas là, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, certains y pensent, oui. Est-ce qu'on a encore des questions, monsieur? Tout d'abord, merci à tous les deux et au Mouton pour organiser ce débat absolument passionnant. Une question peut-être un petit peu difficile pour vous, si j'ai bien entendu que le droit arrive forcément toujours un petit peu après, ce qui est normal. Encore faut-il que les situations s'installent, qu'on ait le temps de prendre du recul et
si on paraphrase Hegel, la joie de Minerve prend toujours son envol à la tombée de la nuit. Encore faut-il que les choses aient réussi à émerger pour qu'on puisse en tirer des conclusions, etc. Mais si on sort un peu des drones et pour revenir sur une autre notion que vous avez très rapidement abordée, sur la cyberguerre, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion, alors c'est un sujet auquel je ne connais pas grand-chose, est-ce qu'il y a une réflexion juridique, sur quoi porte-t-elle, qu'est-ce qu'on peut imaginer, encadrer, quand effectivement on ne sait pas d'où ça vient, où ça va, ni définir quand ça commence et quand est-ce que ça s'arrête, comme tu le rappelais, Irénée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une réflexion en la matière d'un point de vue juridique? Est-ce que les principes, les seuls que vous avez mentionnés qui puissent être applicables parce qu'ils ont été signés, heureusement pour nous, en 1949, ne seraient plus signés aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de semblable en la matière? Ou est-ce que les principes, justement, de Genève sont complètement hors scope de ce qu'on peut imaginer dans le cyberespace? Alors, la cyberguerre, en termes juridiques, c'est quand même beaucoup plus construit et beaucoup plus avancé. On a ce qu'on appelle le manuel de Tallinn. Il y a déjà eu deux manuels, le manuel 1 et le manuel 2. Le manuel de Tallinn, il est élaboré par un centre d'excellence de l'OTAN, basé en Estonie. Et on avait pas mal de matières et pas mal de remontées d'attaques de virus informatiques en situation de conflit armé. Donc on a ces deux manuels qui existent, qui sont intéressants, qui sont beaucoup diffusés dans le domaine de l'armement, mais qui n'ont aucune valeur juridique contraignante. Hein. On n'est pas encore dans une phase de ratification d'un traité, mais c'est quand même souvent la première étape. Donc ça, c'est une avancée par rapport à la robotique militaire qui n'est pas encore à ce stade-là. Ensuite, au niveau des cyberattaques, on a aussi l'organisation de plus en plus de coalitions de cyberdéfense. Donc aujourd'hui, on a quand même dans la loi de programmation militaire, dans le livre blanc, des éléments d'organisation d'une cyberdéfense. Et on parle de plus en plus aussi du caractère cyberoffensif. Et ce que vous avez souligné, ce qui relève du débat, c'est effectivement... la cyberattaque, elle est invisible. Il est extrêmement difficile de remonter à l'origine de l'attaque et donc de définir qui nous attaque. Cependant, on va de plus en plus vers une nouvelle technologie appliquée justement par les tribunaux, les cours, pour essayer de décrypter l'attaquant. On s'aperçoit souvent qu'il y a des processus effectivement de défragmentation du virus informatique pour pouvoir remonter qui est à l'origine de l'attaque, qui a travaillé sur ce virus informatique. Je donnerai juste un exemple pour terminer. La plus grande, je pense, cyberattaque, la plus grande ampleur, c'est le virus Stuxnet, qui a été en capacité de prendre le contrôle d'une centrale nucléaire en Iran et de ralentir le travail des centrifugeuses. Donc effectivement, là, on arrive quand même à des attaques, un potentiel énorme de prendre quand même à distance une centrale nucléaire, donc une centrale électrique, des barrages. Donc on peut imaginer les conséquences sur le droit international humanitaire. Et le manuel de Tallinn l'anticipe très bien. Il est accessible, il est en ligne et je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil. On peut prendre encore des questions là-bas. Est-ce que vous pouvez venir, monsieur? Est-ce que... Désolé, hein. On n'a pas de micro non filaire. Bonjour, merci pour cette... Alors, la question que j'allais poser, c'est, bon, quand on lit Walser et qu'il vous parle de la guerre du Vietnam, on a effectivement vraiment le problème de la définition de ce qu'est les combattants ennemis. Et donc, il vous dit carrément que des villages sont définis comme ennemis et on détruit le village avec tous ses habitants, de manière systématique. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'on n'est pas dans cette continuation de cette logique avec une amélioration sensible? Alors, je vais être un peu là, c'est un peu la provocation que je fais. Une amélioration sensible liée aux drones, puisque, effectivement, on a toujours cette problématique de que, comme c'est une lutte insurrectionnelle et on a un extraordinaire développement de la lutte insurrectionnelle, on a toujours cette problématique qui était propre à la guerre du Vietnam, simplement que maintenant, on peut à la limite, quelque part, un peu mieux cibler ces combattants, mais qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas de toute façon, et qu'on ne considère pas comme combattants.
Je suis complètement d'accord avec vous, dans le sens où, effectivement, les drones frappent. Alors, ça, c'est un des... Je tease un peu, mais c'est un des sous-chapitres de mon livre. C'est... je reprends le titre d'un livre d'un think tanker américain qui dit comment les Américains font la guerre aux populations musulmanes tribales. Et donc, c'est un peu ce que vous dites, c'est qu'on cible des personnes ou des groupes de personnes. Alors certes, soi-disant, on les cible bien et mieux grâce aux drones. Toujours est-il que les gens sur place, ils voient débarquer les drones et ils ne se sentent pas forcément concernés par quoi que ce soit de ce qui se passe autour d'eux. Oui, il y a des gens armés autour, oui, il y a des groupes un peu bizarres qui font régner la terreur d'ailleurs, qui font régner la terreur sur les indiques hein, sur place dont vous parliez tout à l'heure. Par exemple, le nombre de frappes en Somalie. Là, depuis en 2017, il y en a eu 34. Ça a été multiplié par 2 par rapport à 2016. Et ça vise donc plusieurs zones, à la fois le nord du pays et un peu le centre-sud. Mais ces attaques, elles visent des villages qui sont complètement isolés du monde. Personne va aller... Personne n'a rien dire, en fait. Et j'ai presque envie d'être grossier. Presque tout le monde s'en fout. Et c'est hyper triste, parce que ce sont des gens qui sont visés, parce que là où ils habitent, il y a des gens qui sont considérés comme hostiles par les pays occidentaux, et les États-Unis en particulier. Et donc, ils sont ciblés par des drones. Souvent, il n'y a aucun compte qui est rendu sur ça. Si j'ai répondu à votre question. Oui, effectivement, c'est effectivement sur l'aspect zone sur cet aspect zone grise de la lutte insurrectionnelle. Effectivement, le fait que depuis 1949, depuis cette fameuse convention, cette zone grise, on la voit dans la guerre d'Algérie, on la voit dans la guerre du Vietnam, elle continue, voilà. Oui, alors c'est ce flou qui existe dans le conflit armé, donc c'est intéressant votre parallèle par rapport à la guerre du Vietnam et l'utilisation des nouvelles technologies aujourd'hui. Le combattant est défini hein, dans les conventions de Genève. Hein. Il y a des critères qui permettent d'identifier ce qu'est un combattant. Il porte ouvertement une arme, il participe activement aux hostilités, il y a une hiérarchie, une organisation, et il est censé respecter les principes et lois coutumes de la guerre. Ça, on le dit en 1949. Aujourd'hui, et c'est là qu'existe ce flou, et on l'a dit, des civils qui participent activement aux hostilités, des groupes pas forcément organisés, qui ne vont pas porter ouvertement l'arme, et qu'est-ce qu'on fait de cette multiplication de catégorie qui a un impact juridique, il n'est pas forcément traité par les conventions de Genève. Alors, moi, je peux vous renvoyer vers un document qui s'appelle l'interprétation, et c'est le guide interprétatif de la participation active aux hostilités, qui est un guide du Comité international de la Croix-Rouge. Et pour répondre à votre question, je vais vous donner un exemple très concret. En Syrie, on a identifié 12 conflits armés en même temps, c'est-à-dire d'une ville à une autre. On qualifie une situation de conflit armé international, de conflit armé non international. On dialogue avec plus de 13 chefs de groupes armés qui changent régulièrement. Et ça, c'est typiquement le reflet des conflits armés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est face à des groupes qui ne sont pas forcément structurés, et ça, ça a des conséquences très claires sur l'organisation, l'acheminement, pour les acteurs humanitaires. Et je ne parle pas seulement pour la Croix-Rouge, hein, le problème se pose pour Médecins du Monde, Save the Children, etc. Et effectivement, ces zones grises, mais contribuent dans les deux sens, à complexifier les relations internationales et les décisions, empêchent qu'il y ait effectivement la ratification de règles de droit pour clarifier les situations,
et qu'on peut-être on essaye de maintenir ce flou parce qu'il y a des intérêts après en jeu, mais alors qui ne sont plus d'ordre humanitaire, ça c'est certain. On va en terminer là du coup, c'est fini. Il y a peut-être une dernière question. Pas de dernière question, bah c'est... Ah oui, monsieur, une dernière question. Bonsoir, je ne suis pas toujours en France, mais quand je visite, je ne suis pas toujours à l'aise. Et je vais expliquer pourquoi. Je me demande quelles sont les règles de la guerre asymétrique. Et ce soir, on a parlé en particulier de la proportionnalité, mais ce n'est pas très clair à cette audience peut-être que les méthodes d'usage de drones militaires actuellement sont proportionnelles à la violence. J'ai lu un peu, je ne suis pas expert dans ce domaine, sur la guerre asymétrique, et ça a commencé à peu près, on peut dire, avec 2001, parce que quelques terroristes peuvent causer des dégâts très importants en coûts et en nombre de vies. Alors est-ce qu'on peut dire vraiment que nous sommes des civils et pas vraiment des combattants, ou est-ce que nous sommes simplement des civils qui ne sont pas en ce moment en train de se combattre? Alors, pour résumer ma question, est-ce qu'on a une meilleure façon de résoudre les guerres asymétriques à part de, comment dire, les militaires de notre pays utilisent des méthodes qui ressemblent presque à du terrorisme dans les méthodes, essentiellement? Je pense que c'est une question importante et je n'ai pas de réponse, parce que si on peut mieux faire, on devrait mieux faire, mais si on ne peut pas mieux faire, c'est un peu inconvénient. Merci. Je ne sais pas si vous voulez apporter une réponse, un commentaire. C'est très juste ce que vous venez de dire. Les problématiques, le questionnement que vous posez est particulièrement intéressant. Alors, on pourra échanger et poursuivre cet échange, parce que ça, je ne peux pas vous répondre comme ça, en quelques lignes. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est que cette réflexion-là, elle peut amener à une action. Et que si vous voulez en savoir plus aussi, vous pouvez, en tant qu'acteur, vous former au droit international humanitaire, au droit applicable en situation de conflit armé. Donc venez me voir, moi je vous expliquerai comment on fait pour devenir animateur et formateur au droit international humanitaire et peut-être travailler avec nous à la Croix-Rouge. En plus, on a l'avantage d'être présent un peu partout dans le monde et de poursuivre cette réflexion. J'ai pas envie un mot là-dessus pour terminer, puis on termine. Alors, pareil, hein, sur les guerres asymétriques, on pourrait développer longtemps. La guerre asymétrique, par définition, c'est la guerre du faible au fort. C'est ça la définition de la guerre asymétrique. Et donc, ce qu'on considère comme un moyen de guerre asymétrique, c'est le terrorisme, par exemple. Parce que face à des acteurs dont la puissance militaire est écrasante, ben, il reste juste des techniques de guérilla, des explosifs qu'on appelle... Les engins explosifs improvisés sur le bord de la route pour faire péter un tank. Effectivement, le drone, depuis le début des années 2000, depuis l'intervention américaine en Afghanistan, en fait, et encore plus après avec Obama, a été considéré comme l'arme ultime des conflits asymétriques, puisqu'elle permettait de cibler des gens qui sont à la fois dans la population civile, mais qui constituent une menace potentielle. Et donc, voilà, c'est une réponse qui a été apportée. Effectivement, par bien des égards, on peut critiquer l'usage qui est fait des drones. Encore une fois, le drone en lui-même n'est pas une arme interdite et une mauvaise arme. Et c'est là-dessus qu'il faudrait conclure, c'est que vraiment c'est l'usage que les pays vont en faire, et j'espère que la France
ne tombera pas dans les mêmes dérives que les États-Unis. Voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter. Eh ben merci beaucoup, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, on va pouvoir ouvrir les bouteilles de vin. Et il y a de l'eau aussi pour ceux qui ne boivent pas. Et j'en profite aussi pour annoncer notre prochain débat qui sera le 12 avril au 104 et portera sur les émotions et la robotique. Donc c'est, c'est pourquoi nos robots deviennent-ils émotionnels, quelque chose comme ça. Pourquoi nos robots sont-ils empathiques? Et il y aura Jérôme Monceau qui a fondé une société qui s'appelle Spoon et qui est un ancien d'Aldébaran, celui qui a fait les petits robots Nao. Et on aura aussi Serge Tisseron, qui est psychiatre. Ah, vas-y, oui, bien sûr. Alors, une seconde pour les gens qui sont intéressés par ces thématiques. Juste, j'ai amené 2-3 bouquins. Le livre à charge de Grégoire Chamaillou, qui a eu le mérite de soulever le lièvre, si je puis dire, Théorie du drone, qui est intéressant, qui fait cogiter. Un livre qui a été dirigé par le chef d'état-major actuel, François Lecointre, et donc avec beaucoup de militaires et aussi quelques civils qui écrivent dedans, Le soldat au XXe et au XXIe siècle, et ça parle aussi des nouvelles technologies, c'est très intéressant. Donc celui des robots tueurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, le lieutenant Brice Herblanc. Et enfin celui-là, un regard un peu plus vulgarisateur et journalistique, c'est... Crime du futur de Jérôme Blanchard, qui écrit dans Science et Avenir, si je ne me trompe pas. Dans Science et Vie Junior, excusez-moi. Et donc, voilà, qui parle du futur des biotechnologies, des drones, des virus informatiques et de tous les crimes que ça pourra ou pourrait engendrer dans le futur. Voilà. Merci beaucoup.